vivant, Seigneur mon Dieu. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur mon Dieu, de pouvoir venir devant toi, de trône, Seigneur mon Dieu, de pouvoir te chanter, de pouvoir te prier, Seigneur mon Dieu. À toi soit toute la gloire, Seigneur mon Dieu. Tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur, le premier, le dernier, le commencement et la fin, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui prend soin de nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux bien prendre ce temps pour te remercier, Seigneur. Prendre ce temps pour t'élever, Seigneur mon Dieu. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu es le mérite, Seigneur mon Dieu. Tu as fait tant de merveilles dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Tant de merveilles dans la vie de mes frères et mes soeurs, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu de l'univers, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, nous voulons chanter, Seigneur, de bien, tu es grand, de bien chéri, de Dieu, de grand, digne de louange, Seigneur. Alors nous voulons que Seigneur, de bien, tu es grand, Seigneur. Mon âme veut te dire, mon âme veut te dire, tu es grand, Seigneur. Mon âme veut se rappeler de tes bienfaits, Seigneur mon Dieu. Se rappeler de tes bienfaits, Seigneur mon Dieu. Car Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. A toi toute la gloire, Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps, Seigneur mon Dieu. A toi la gloire. Seigneur, tu es le plus grand, tu es les Chalais, tu es Emmanuel. Tu es le Dieu parmi nous, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, merci. Tu es Dieu, ma bannière. Tu es Dieu de mon salut. Tu es le Dieu vivant, Dieu victorieux, Seigneur mon Dieu. Surtout, tu es mon Père. À toi la gloire, Seigneur mon Dieu. Je veux vraiment te remercier, te remercier, te remercier. Pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur mon Dieu. Merci Julien. merci. J'aime bien profiter de ta grâce que Dieu a mis en toi. De la grâce que Dieu a mis en toi. Et je pense qu'il est important de passer un temps dans l'adoration avant de pouvoir écouter de la part du Seigneur. Et je vous bénis, vous tous qui êtes là ce soir. Merci pour votre présence. Ça me fait toujours du bien de vous voir. Ça me ressource toujours. Et on a commencé ce mois avec toute la confiance que le prophète Walid et la prophétesse Christelle nous a confiée. Et on souhaite leur dire merci également pour cette confiance-là. On a commencé avec, en parlant des épreuves, on a parlé de faire confiance en l'Éternel. On a parlé de la connaissance jusqu'à l'amitié. On a parlé du cœur. Dimanche dernier, et c'est comme si Dieu nous conduisait en fait, et Dieu nous conduit réellement. Dieu nous conduit réellement parce qu'à travers chaque intervention, on voit combien là où Dieu veut nous conduire et combien il nous fait du bien. Et ce que je souhaite partager ce soir se trouve dans Amos chapitre 8 au verset 11. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Amos chapitre 8, le verset 11. Amen. Amen. Le Seigneur Dieu déclare : le jour vient où j'enverrai la famine dans le pays. Les gens auront faim, mais non de nourriture. Ils auront soif, mais non pour boire de l'eau. Ils auront faim et soif d'entendre ce que je dis. Amen. On lit également dans Amos, le chapitre 5. Amos, chapitre 5, versets 4 à 6. Amen. Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne le dévore pas sans personne à Bethel pour l'éteindre. Merci. Amen. Amen. Là où je veux retenir le point important de ce verset, c'est quand il dit « Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. » On va lire également Ésaïe 55, le verset 1 à 3.
Ésaïe 55, je lis la parole de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Amen. Le verset 3 nous dit « Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. » Et pour finir, on va lire le psaume 63, le verset 2. Si quelqu'un a trouvé, peut le lire. Psaume 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire. Amen. Dieu m'a mis à cœur de nous partager ce soir, de vraiment fixer nos regards vers l'Éternel. Fixer nos regards vers l'Éternel, fixer nos regards vers les choses d'en haut. On est trop préoccupé par ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. On est trop préoccupé par notre propre personne. On est trop préoccupé par ce que nous vivons, les situations que nous vivons. Alors que Dieu nous dit dans sa parole de le chercher. Lorsque nous le cherchons, nous vivons automatiquement. Et la vie que Dieu nous donne est une vie en abondance. La vie que Dieu nous donne est une vie de paix. La vie que Dieu nous donne est une vie de tranquillité. Mais nous sommes souvent trop préoccupés par les choses de ce monde, par les préoccupations de chaque jour, sans pour autant être préoccupé de rechercher Dieu. Et lorsque je méditais sur ces passages-là, cherchez et vous vivrez, lorsque je méditais par rapport à ces passages-là, le Seigneur m'a fait comprendre que nous devons systématiquement avoir soif de Dieu. Systématiquement avoir soif de Dieu. Et c'est comme une alarme qui est en nous. Cette alarme, c'est lorsque on est insatisfait de ce que nous vivons avec Dieu. Cette alarme, c'est lorsqu'on est insatisfait de nos temps de prière, insatisfait de nos temps de méditation, insatisfait de ce que nous voyons à travers le monde. Et cette insatisfaction, c'est ce qui nous montre quelque part que nous avons soif de Dieu. C'est ce qui nous montre que nous avons soif, que nous désirons plus de Dieu. Et il arrive dans la vie ou des moments dans la chrétienté où des fois ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que nous sommes chrétiens et on se rend compte que lorsqu'on va parler avec des païens ou des personnes religieuses, on sait déjà tout, on connaît déjà tout. La personne, elle va te parler d'un verset biblique, tu vas terminer le verset biblique avant même qu'elle commence, mais on se rend compte qu'on ne vit pas ce qu'on connaît. Il y a beaucoup de théories mais peu de pratiques. Il y a beaucoup de ce qu'on a déjà pu vivre avec Dieu ou des anciennes expériences qu'on a vécues avec Dieu. Mais on est incapable de dire ce que nous avons vécu dernièrement, incapable de dire le temps de prière que nous avons passé dernièrement, comment Dieu nous a visités, comment Dieu nous parle. Il y a ceux qui disent que Dieu parle rarement. Moi, je pense que Dieu nous parle souvent, mais on n'y prend pas garde. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Ou par rapport à cette soif-là, cette insatisfaction-là, cette soif-là, c'est Dieu qui met ça en nous. C'est pas nous qui mettons cette insatisfaction en nous. C'est Dieu qui met cette insatisfaction en nous afin qu'il puisse nous faire grandir avec lui. On n'arrivera jamais à une maturité parfaite. On n'arrivera jamais à de l'excellence parfaite avec Dieu. On va sans cesse grandir à travers nos frères, à travers nos sœurs. Et lorsque je passais du temps dans la prière, ce que Dieu vraiment me mettait à cœur, c'est de le rechercher, d'avoir soif de Dieu. De ne pas se contenter de ce que nous vivons déjà, de ne pas se contenter de venir chaque mardi, chaque dimanche, de se contenter des moments que nous passons ensemble. Non, nous devons désirer plus de Dieu. Nous devons vraiment fixer nos regards en haut, nos regards fixés vers Dieu, fixés vers la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour cette saison? Qu'est-ce que Dieu veut pour ce moment-là? Et c'est là où Dieu m'a fait comprendre une chose également, c'est que lorsqu'on est trop préoccupé par nos propres personnes, par ce que nous désirons, par nos préoccupations du travail, par nos préoccupations de ce que nous allons manger demain, par toutes ces préoccupations-là, c'est que nous ne sommes pas assez morts. Amen.
À chaque fois que nous nous préoccupons des choses de cette terre, c'est que nous ne sommes pas encore assez morts. Et il ne faut pas avoir peur ou honte de faire cette prière. Seigneur, brise-moi. Seigneur, que je meure à moi-même. Seigneur, que je meure à mon caractère, que je meure à ma personne, que je te cherche, que je te désire, que je sacrifie mes nuits pour toi, que je passe plus de temps de prière avec toi, que je te cherche de tout mon cœur. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel ses délices, c'est avoir soif de lui. Faire de l'Éternel ses délices, c'est le rechercher constamment. La Bible nous dit également de ne pas nous soucier du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que l'inquiétude nous a déjà apporté des solutions? Est-ce que le fait de nous inquiéter de notre lendemain nous a déjà apporté des solutions? Est-ce que le fait de s'inquiéter pour son frère, pour sa sœur, pour son père, pour sa mère, nous a déjà apporté une solution? Non, ça apporte plutôt des problèmes, ça apporte des migraines, ça apporte... on se sent pas bien, l'humeur part, on se sent lourd, on a du mal à prier, alors que Dieu nous dit seulement de rechercher les choses d'en haut. Et c'est pour ça que nous devons mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes, c'est ne plus regarder à nos problèmes, mais regarder aux problèmes de mon frère et de ma sœur. Mourir à nous-mêmes, c'est regarder aux problèmes de ceux qui manquent de soif, qui manquent de faim, qui vivent des souffrances beaucoup plus profondes que nous. Nous, nous avons l'assurance, nous avons Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup qui s'inquiètent, qui vont voir des médecins, qui n'arrivent même pas à trouver le sommeil, tout simplement parce qu'ils se soucient du lendemain. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais manger demain? De quoi je vais vivre demain? Alors que nous, nous avons l'assurance. On a Jésus-Christ. On a l'espérance. On a la victoire. On a la paix. On a le salut. Il a tout accompli pour nous. Quand c'est difficile, je me souviens de cette phrase, il a tout accompli. Quand c'est difficile, je me souviens que le Seigneur a tout accompli pour nous. Mais nous, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est de nous préoccuper de ses affaires. De nous préoccuper des affaires du Père. Lorsque Joseph et Marie cherchaient Jésus, Jésus, il a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Et il avait seulement 12 ans. Et ce que nous devons faire, nous, aujourd'hui, c'est de nous occuper des affaires de notre Père. Et des fois, dans cette marche chrétienne, vous allez être découragé. Il y a des choses qui vont vous dire, je suis pas qualifié pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Il y a des fois où vous allez vous dire, je suis pas qualifié pour passer ce temps de prière, où vous allez être impressionné par celui qui est à votre droite qui sait prier. Vous allez être impressionné par celui que vous voyez derrière les caméras, derrière YouTube, derrière tout ça. Vous allez être impressionné. Vous allez vous dire, mais waouh, mais Dieu ne cherche pas des personnes qui sont qualifiées. Dieu ne cherche pas des personnes qui sont compétentes. Dieu cherche des personnes qui sont disposées. Dieu cherche des personnes qui se disent, me voici, comme Samuel a dit, me voici. Et des fois, je me disais, j'avançais avec Dieu et après j'arrêtais. Une fois que je faisais une bêtise, j'arrêtais. Je me disais, c'est bon, ça sert à rien de continuer, la bêtise est trop grave. Et Dieu m'a interpellé, il m'a dit, mais est-ce que tu es ton propre juge? Et souvent, je disais, non, je ne suis pas mon propre juge. Mais souvent, je remarquais que j'étais juge de moi-même. Souvent, je vivais dans la culpabilité. La culpabilité me freinait. La culpabilité vraiment me freinait. Je ne pouvais plus avancer avec Dieu. Je me disais, ça ne sert à rien. Je ne veux plus. Je ne peux plus rien faire parce que je vivais avec la culpabilité. Jusqu'à où on a eu ces enseignements par la grâce de Dieu avec le prophète Walid qui nous disait de demander la justice de Dieu sur notre vie. La justice de Dieu est pleine de miséricorde et de compassion. La justice de Dieu, ce n'est pas comme de la manière que nous-mêmes nous nous jugeons. Et une fois, je parlais avec une sœur, elle me disait, je lui disais que j'étais pas assez qualifiée pour parler de la part du Seigneur. Et je lui disais un peu les bêtises que j'ai fait la veille et tout ça et tout. Je me disais, non, là, je suis pas assez qualifiée. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et je pense que c'est vraiment le Seigneur qui lui a dit ça. Elle m'a dit, est-ce que tu attends de ceux qui parlent de la part de Dieu qu'ils soient parfaits? J'ai dit non, j'attends pas d'eux qu'ils soient parfaits. Et pourquoi t'attends de toi-même d'être parfaite pour parler de la part du Seigneur? Et tout de suite, je me suis dit, jamais, plus jamais je ferai cette erreur de vivre dans la culpabilité, mais quoi qu'il arrive, je servirai l'Éternel. Quoi qu'il arrive, je ferai la volonté de Dieu. Et c'est cette insatisfaction que j'avais dans mon cœur. Cette insatisfaction d'avoir soif de Dieu, mais en même temps de vivre dans la culpabilité, et jusqu'à ce que j'ai accepté que Dieu me juge. Que j'accepte la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu est pleine de compassion et de miséricorde. La justice de Dieu ne nous qualifie pas de la manière que nous sommes,
La justice de Dieu nous dit, allez, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et à partir de ce moment-là, tu t'attaches à Dieu, mais pas à ce que tu es capable de faire. Et vraiment, c'est là où Dieu veut nous conduire ce soir, et je pense dans les mois à venir, c'est de ne pas regarder à notre situation, de ne pas regarder à nos problèmes, à nos difficultés, mais regarder aux choses d'en haut. Et lorsque j'ai pensé à la soif de Dieu, je me suis dit, mais c'est quoi la soif de Dieu? C'est quoi avoir soif de Dieu? Et par rapport à la soif, c'est une sensation qui produit un besoin. La soif, c'est une sensation qui produit un besoin, un désir vraiment passionné, un désir immédiat. C'est ça qui produit la soif. C'est une sensation qui produit un besoin. Et alors, je me suis posé la question, est-ce que j'avais réellement soif de Dieu? Est-ce que j'avais réellement soif de Dieu? Est-ce que j'avais cette sensation qui produit un besoin? Quand on a soif de façon physique, des fois, on aura mal à la tête, on aura des migraines, on va se sentir faible. Dès qu'on aura soif, dès qu'on aura faim, de manière physique, on va se sentir faible, on va avoir des migraines, on n'aura plus la même force. Mais spirituellement, c'est pareil. Spirituellement, lorsque nous avons soif, on aura ce désir de vouloir plus prier. On aura ce désir de vouloir plus la puissance de Dieu. On aura ce désir de vouloir plus méditer, de vouloir plus être dans la parole de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est que le monde attend que vous approfondissez votre soif. C'est que le monde attend que vous ayez de plus en plus soif de Dieu. Plus nous aurons soif de Dieu, plus nous aurons la réponse pour Dieu, pour ce monde. Plus nous serons la réponse de Dieu pour ce monde. Plus nous allons chercher Dieu, plus nous allons vivre, plus nous allons être une source de bénédiction pour ceux qui auront soif, pour ceux qui auront besoin, pour ceux qui auront le cœur meurtri, pour ceux qui auront le cœur brisé. Parce que la Bible dit de nous que nous sommes les sources de vie. Nous sommes ces fleuves, nous sommes ces eaux-là. Et pour être ces fleuves-là, pour être cette eau-là, nous devons être chargés de la parole de Dieu. Nous devons avoir soif de Dieu. Nous devons être conscients que nous sommes les disciples, des disciples, que nous ne nous appartenons plus. Dieu vraiment insiste sur le fait que nous ne nous appartenons plus, que vraiment nous devons mourir. Chercher l'Éternel, c'est mourir à nous-mêmes. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. C'est vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est de chercher l'Éternel et vous vivrez. Et plus je lisais la parole de Dieu, lorsque j'ai lu le psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, la Bible dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. » Il dit bien « Dans une terre aride, desséchée sans eau, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » C'était pas dans les moments faciles pour lui, c'était pas dans des moments de paix. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mon âme a soif de toi. Des fois, on a des émotions qui vont nous faire passer par tout type d'humeur. On a des sentiments qui vont nous faire passer par tout type de sensations. Mais malgré les situations compliquées, David disait quoi? Mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Et en parlant de la soif de Dieu, j'ai compris que une petite soif engendre une petite dimension. Mais une grande soif engendre de grandes dimensions. Lorsque nous avons une soif plus grande, nous allons vivre des dimensions plus grandes avec Dieu. Nous allons vivre des dimensions encore plus profondes avec Dieu. Lorsque nous faisons grandir notre soif, notre manière d'être, notre manière d'agir et notre manière de faire pour Dieu va être totalement transformée. Et c'est vraiment ce message d'encouragement que Dieu voulait nous faire partager ce soir, c'est de ne pas regarder à ce que nous vivons aujourd'hui, mais de rechercher vraiment l'Éternel, de rechercher vraiment ce qu'il veut, de rechercher là où est sa voix. Nos pensées ne sont pas ses pensées, mais cherchons à comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu pour cette saison, la pensée de Dieu pour l'Église, la pensée de Dieu pour nos frères et nos sœurs, la pensée de Dieu pour ceux qui sont dans le monde. Lui, les informations nous chargent d'informations toxiques. Lorsque nous allumons la télé, nous avons des informations toxiques. Même lorsque tu vas appeler ta famille, il y aura une information toxique. Même lorsque tu vas voir des situations dans la vie, tu vas avoir des informations toxiques. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation-là?
Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ton travail? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au poste que tu es dans ton travail? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'entreprise que tu as? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta famille? Des fois, nous cherchons à appeler les autres. Nous cherchons à appeler des prophètes, des serviteurs de Dieu. Nous cherchons la solution en écoutant des messages, mais nous oublions de rechercher à la source. La source, c'est Dieu. La réponse avant toute chose, la réponse avant que les hommes te donnent une réponse, avant que les hommes puissent te donner une réponse, cherche l'Éternel. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Toute situation que nous vivons, même si nous n'avons pas la force de prier, allez lire les psaumes. Vous allez voir comment les situations étaient compliquées pour David et comment lui, il a loué l'Éternel malgré les situations compliquées. Et ça va nous fortifier davantage. La solution se trouve dans la parole de Dieu. Il y a un temps, viendra un temps où il n'y aura plus la parole de Dieu comme nous arrivons à la trouver aujourd'hui. Viendra un temps où nous allons plus trouver la parole de Dieu comme nous avons la facilité de la trouver. Mais ce que Dieu veut, c'est que la parole de Dieu se trouve en nous. Ce que Dieu souhaite, c'est que nous grandissions dans la parole de Dieu. Ce que Dieu souhaite, c'est que nous soyons matures. Que nous soyons matures pour pouvoir apporter la parole de Dieu aux autres. Il ne suffit pas d'avoir un statut pour apporter la parole de Dieu aux autres. Il ne suffit pas d'avoir un bac plus. Il ne suffit pas de... Tu as ta parole, tu sais lire la parole de Dieu. Si tu ne sais pas lire, il y a la possibilité même de l'écouter. Il y a divers moyens d'écouter la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous fortifie. Recherchez Dieu. Que nous puissions rechercher Dieu de tout notre cœur. Comprendre le cœur de Dieu, comprendre la volonté de Dieu. Comprendre ce que Dieu souhaite, comprendre la saison que là où Dieu veut nous emmener. C'est vraiment ce que Dieu aspire de nous, c'est que nous recherchons Dieu de tout notre cœur. De ne pas nous soucier des choses d'aujourd'hui. Ça déplaît même des fois à Dieu. Ça déplaît de... Il n'est pas content lorsque nous soucions seulement des choses que nous vivons. Lorsque tu vois que tu te soucies de tes factures, rappelle-toi que tu n'es pas encore assez mort. Lorsque tu te soucies de comment tu vas mettre l'essence dans ta voiture, rappelle-toi que tu n'es pas assez mort. Lorsque tu te soucies de comment je vais finir la fin du mois, rappelle-toi que tu n'es pas assez mort. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Et si nous ne sommes pas assez morts, prions que Dieu puisse nous briser, prions que nous puissions... La mort, je ne parle pas de mort physique, hein, pour ceux qui vont nous écouter, mais je parle d'une mort où c'est Dieu qui vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit en nous. Et Dieu, c'est la vie. C'est Dieu qui nous a créés. Amen. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est la paix. Dieu, c'est la tranquillité. Ne vous souciez pas du lendemain, mais cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais appeler notre frère ami. Désolée, j'ai vraiment la... Depuis hier, j'ai la tête qui tombe. Je vais appeler... Je t'ai déjà appelé. Que tu puisses... Qu'on va passer un temps dans la prière. Qu'on se sente vraiment libre. Et passer ce temps où on va demander pardon au Seigneur. Pardon parce qu'on s'est trop préoccupé de notre petite vie. Pardon parce qu'on s'est trop préoccupé de ce qui est important pour nous, ce qu'on appelle important pour nous. On va vraiment s'humilier devant sa face. On va vraiment lui demander pardon. Et non seulement on va demander pardon, mais on va passer un petit temps dans l'adoration où on va continuer à laisser le Saint-Esprit nous conduire pendant une petite vingtaine de minutes. Et laisser l'Esprit nous parler, laisser l'Esprit nous conduire, et laisser l'Esprit nous ressourcer. Et c'est de cette manière qu'on cherche Dieu, et c'est de cette manière qu'on vit. Vivre, c'est dans la présence de Dieu. Et on va vraiment se laisser conduire. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Non, je ne sais pas trop ce qu'attend de moi la sœur Béa, mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, je te connais comme tu me connais, mais je ne connais pas tes soucis. Je ne sais pas ce qui a pu blesser ton cœur cette semaine ou la semaine passée. Je ne sais pas, je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas tes difficultés ni tes défis, mais Dieu, lui, les connaît.
Alors nous allons, tu vas prendre la position qu'il te faut pour adorer ton Seigneur et mon Seigneur. Il n'y a personne ici, il n'y a que des anges, il y a tes frères et sœurs, on est en famille. Il n'y a personne pour te juger, si tu veux prier à voix haute, fais-le, si tu veux prier à voix basse, fais-le, si tu veux prier dans ton cœur, fais-le. Moi, je pense qu'il est préférable d'ouvrir la bouche pour que nos oreilles entendent et pour que Dieu aussi entende. Je crois qu'on arrive à un temps où Dieu veut vraiment nous toucher, nous changer, nous transformer. Et si tu es là, ne passe pas à côté de ce temps. Alors vraiment, entre en toi-même. Nous allons tous entrer en nous-mêmes. Nous allons nous humilier devant la face du Seigneur, comme la sœur Belle l'a dit. D'avoir été trop préoccupé par la vie, d'avoir été préoccupé par nos soucis, par les soucis de notre famille, d'avoir été préoccupé par ce qui nous arrivait, d'avoir été préoccupé par notre petite personne et de ne pas avoir recherché, comme Matthieu 6, 33 le dit, le royaume des cieux et sa justice. Alors tu vas t'humilier devant le Seigneur. Nous allons tous nous humilier et nous allons prier. Élève ta voix et parle à ton Père. Parle à ton Père, parle à ton Père céleste, parle à ton Père de grâce. Parle à ton Père, parle à ton Papa et adresse-toi directement à lui. Lui, il est là, il te juge pas comme toi, tu peux te juger. Il nous jugera jamais comme le monde peut nous juger. Il nous jugera pas avec des regards sévères, mais il plongera vers nous un regard de paix, un regard d'amour, un regard de compassion. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens devant ta face, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te dire que sans toi, Seigneur, mon roi, moi, je ne suis rien. Je reconnais, Seigneur, mon roi, Père, avoir été, Seigneur, mon roi, incrédule, avoir été, Seigneur, égoïste, avoir été égocentrique, avoir pensé, Seigneur, mon roi, Père, qu'à moi, qu'à ma propre personne, qu'à mes problèmes. C'est vrai, Seigneur, souvent tu nous dis, Seigneur, mon roi, je suis avec toi, je serai avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, n'aie pas peur, ne crains point, mais parfois, Seigneur, mon roi, nous avons les regards fixés vers la mer, nous avons les regards fixés vers les vagues, vers le tumulte, vers, Seigneur, le vent qui se lève. Et nous commençons, Seigneur, mon roi, Père, à sombrer, Seigneur, mon roi, Père. Et nous oublions que tu es là avec nous. Nous oublions, Seigneur, que ta main d'amour est là pour nous secourir. Nous oublions, Seigneur, que tu es là, Seigneur, mon roi, Père, pour, Seigneur, mon roi, être notre bouclier, pour être, Seigneur, notre appui, être, Seigneur, notre, Seigneur, abri. Et nous, nous plaçons notre confiance, Seigneur, dans l'argent. Nous plaçons notre confiance, Seigneur, dans notre propre force. Mais, Seigneur, tout cela est vain. Tu dis, Seigneur, si ta force faiblit durant le jour d'épreuve, oh, ta force est bien dérisoire, Seigneur. Notre force est souvent dérisoire. Et Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu connais, Seigneur, mon roi, Père, ma vie. Tu connais, Seigneur, mon roi, mes soucis. Tu connais, Seigneur, mes défis. Tu connais mes peurs. Tu connais, Seigneur, mon roi, Père, mes incapacités. Tu connais mes faiblesses, Seigneur, mon roi. Devant toi, je te demande pardon, Seigneur, mon roi. D'avoir, Seigneur, mon roi, Père, couru, Seigneur, mon roi, vers les hommes. D'avoir couru vers, Seigneur, mon roi, Père, les choses dans lesquelles j'ai placé ma confiance. Et de ne pas avoir su, Seigneur, mon roi, te regarder, Seigneur. Regarder qu'à toi, Seigneur, mon roi. Regarder à la croix. Regardez, Seigneur, de là d'où vient mon salut. Regardez de là d'où vient ma paix. Regardez de là d'où vient ma force, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Lorsque je lève mes yeux vers toi, Seigneur, mon roi. Lorsque je lève mes yeux vers la croix, je vois, Seigneur, mon roi, Père, la force. Lorsque je lève mes yeux vers toi, Seigneur, mon roi. Je vois, Seigneur, mon roi, le courage. Lorsque je lève mes yeux vers toi, Seigneur, mon roi. Je vois la rédemption, Seigneur, mon roi, Père. Papa, Seigneur, David disait, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient que de toi seul, Seigneur mon roi. Toi qui as fait le ciel et la terre, Seigneur mon roi, Père. D'où me viendra le secours lorsque, Seigneur mon roi, Père, le monde m'accablera? D'où me viendra le secours lorsque, Seigneur mon roi, mes problèmes, Seigneur, m'accableront? D'où me viendra le secours, Seigneur mon roi, lorsque je regarderai vers l'horizon et il n'y aura personne pour m'aider? D'où me viendra le secours lorsque je n'aurai pas la force, Seigneur mon roi, ni les ressources, Seigneur, nécessaires pour affronter l'adversité? D'où me viendra le secours lorsque, Seigneur mon roi, Père, les nouvelles me tomberont dessus comme Job et que je n'aurai personne autour de moi, Seigneur, sur qui compter? D'où me viendra le secours, Seigneur mon roi? Oh, je sais, Seigneur, une chose, que le secours peut me venir de toi seul, Seigneur mon roi, Père. Toi qui as fait le ciel et la terre. Oui, le secours ne vient que de toi seul, Seigneur mon roi, Père. Si les jeunes gens, Seigneur, trébuchent, si, Seigneur mon roi, Père, ils se fatiguent, Seigneur mon roi, Père. Oh, Seigneur, ceux qui placent leur confiance en toi, renouvellent leur force, Seigneur mon roi. Père, viens, Seigneur mon roi, Père, nous combler de toi ce soir. Viens nous combler de toi, Seigneur mon roi. Nous avons écouté ta voix nous parler. Viens nous combler de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Viens, Seigneur mon roi, bénir nos vies. Viens, Seigneur, nous combler de ta grâce, Seigneur mon roi. Viens, Seigneur mon roi, nous purifier par ton sang précieux. Viens laver, Seigneur mon roi, Père. Oh, nos consciences, viens laver, Seigneur mon roi, Père. Papa, nos cœurs, Seigneur mon roi. Et que ta grâce demeure sur nous, Père, au nom puissant de Jésus. Rikanabasontorokoyaba.
Rekonobo shintele kanara sekele nobo sakaba. Rekonobo shintele ke sentele ke yaba nara sotele ro yakaba. Niko sana ama shintele ke sentele ke yaba. 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 Là où il y a Seigneur, personne ne sait comment faire pour le faire. La parole nous dit Seigneur que le pays, Seigneur, les Népalis, les Zabilons, Seigneur, pour faire. Un pays, Seigneur, pour faire sombre, Seigneur, un endroit sombre. Là où il n'y avait aucun espoir, Seigneur, pour faire. A vu soudain, Seigneur, pour une lumière jaillir, Seigneur, pour faire. Et Seigneur, c'est pour moi seul qui puisse, Seigneur, pour faire. Il faut faire jaillir cette lumière sur nous, Seigneur, pour faire. Devant Seigneur, pour faire le mois de août, devant le mois de septembre, devant la rentrée qui s'annonce, Seigneur, pour faire. Papa, nous ne voulons pas avoir des regards fixés sur nos problèmes. Les regards fixés sur nos soucis, les regards fixés sur nos pastures, sur nos difficultés, mais les regards fixés sur toi seul, Seigneur mon roi. Je veux garder mes regards fixés sur toi seul, Seigneur mon roi. Père, Papa, Seigneur mon roi, si je vois, Seigneur mon roi, en toi, ma résurrection, je verrai, Seigneur, plus, Seigneur, mon être aussi grand. Si je vois en toi, Seigneur mon roi, ma paix et ma joie, ma guérison, Seigneur mon roi, je ne verrai pas, Seigneur, les serments, Seigneur, qui me brûlent, Seigneur mon roi. Si je vois en toi, Seigneur, ma guérison, je n'ai plus, Seigneur, mon roi, ces médecins qui fatiguent, Seigneur, mon roi, Père. Encore, si je vois en toi, Seigneur, mon roi, Père, oh Seigneur, la résurrection, tu dis, Fils de l'homme, oh, ces ossements des déchets peuvent tu demander de toi, Seigneur, mon roi. Père, je réponds, oui, tu le sais, Seigneur, mon roi. Est-ce que les choses qui sont mortes en moi peuvent tu revivre? Oui, ils peuvent revivre. Est-ce que ce qui est brisé, ce qui est cassé, ce que l'ennemi a détruit, est-ce que cela peut revivre, Seigneur, mon roi? Alors je dis, oui, Seigneur, mon roi, toi seul, tu le sais, Seigneur, mon roi, Père. Papa, toi seul, tu le sais, roi des rois. Nous avons besoin de toi seul. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon roi. L'Église a besoin de toi. Mes soeurs ont besoin de toi. Mes frères ont besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, mon roi. Père, Seigneur, mon roi, notre conducteur a besoin de toi, Seigneur, mon roi. Père, ta grâce, nous te demandons ta grâce. Ta grâce sur nous, Seigneur, mon roi. Ta grâce sur nous, Seigneur, mon roi. Ta grâce sur nous, Père. Pour la navation, que l'Église Seigneur, mon roi. Oh, bien-aimé, nous allons déclarer, nous allons proclamer comme des prophètes, comme des prophétesses de nos vies. Tu vas déclarer la vie. Là où il y avait la mort, tu vas déclarer la vie. Là où tu étais triste, tu vas déclarer je suis joyeux. Là où tu avais oh, la tristesse, la frustration, tu vas déclarer le bonheur. Tu vas déclarer la paix, tu vas déclarer oh, la résurrection, la restauration. En puissance de Jésus, commence à déclarer. Déclare sur ta propre vie, déclare sur ta famille, déclare sur tes finances, déclare. Thank you.
Je bénis ta parole.
Je bénis cette semaine, je bénis cette soirée, je bénis nos nuits, je bénis nos rêves, je bénis Seigneur mon affaire, tout ce que nous avons produit, tout ce que je bénis Seigneur le travail de ma paix, au nom puissant de Jésus. Et que tout soit seul, fait pour ta seule gloire. Tout soit fait pour ta seule gloire. Et nous disons tous gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Amen. 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 Je vous bénisse et bonne soirée à vous. Bye bye.